Yo les gars, c'est Tsunost. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu sur le titre de cette vidéo, on va devoir faire le boss le plus fort du jeu qui se nomme Katakuri. Sauf que je dois utiliser l'épée la plus nulle du jeu. C'est pas celle-là, ça c'est la Darkblade. C'est plutôt la plus forte. Du coup, je vais prendre l'épée la plus nulle qui se trouve tout en bas ici. Attends, mais elle est où? Wesh, mais elle est où cette épée? Ah bah elle est là. C'est l'épée qui se nomme Katana. Le Katana. Du coup, c'est grâce à cette épée que je dois tuer ce fameux boss. J'espère juste que je vais pouvoir le tuer, hein. D'abord, avant de vouloir aller le tuer, il faut d'abord que je tue les 500 mobs qui se trouvent ici. Voilà. Ça va vraiment être très très long de tuer 500 mobs avec déjà cette épée. Voilà. On va prendre le fruit de Bouddha. On va faire la transformation comme ça. On va utiliser un glitch spécial qui va nous permettre d'obtenir notre épée en grande taille. Voilà. Donc ça, c'est génial. On va devoir tuer 500 mobs avec cette grande taille. Voilà, let's go. On commence directement tout de suite. Par contre, déjà, que ces mobs-là, ça a l'air déjà d'être un travail très, très, très long, en fait. Ah, Mastery 598. Ah, mais oui, c'est vrai. Je n'ai pas encore l'épée Mastery 600, quand j'y pense. Bon, je vais tuer tous les mobs du jeu. Voilà. On va un petit peu se balader à faire tous les mobs comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On spamme un peu de tous les côtés. À la moindre truc, je me fais prendre des tonnes et des tonnes et une myriade de dégâts. Oh, 599! A few moments later. Bon, je vais aller regarder combien de mobs j'ai tué. Ça fait même pas longtemps que j'ai commencé. Hein. Et du coup, je vais déjà voir combien j'en suis. Alors là, j'en suis à bon, 483. J'ai fait déjà 17 mobs. C'est déjà pas mal en fait. On commence bien. Allez, on continue à faire les mobs, les mobs, les mobs, les mobs, les mobs, dans tous les côtés. Voilà. Let's go, Mastery 600! Let's go! Enfin! Enfin, Mastery 600. Bon, allez, on continue. On s'arrête pas là. Bon, là je vais aller regarder combien de mobs j'en ai parce que quand même depuis tout à l'heure et il faut que je sache j'en suis à où maintenant. Ah ben j'en suis à 303, pas mal. 6 and a half hours later. Plus de 40 minutes que je suis en train de faire des mobs, ça commence à un petit peu aller loin. 125, pas mal du tout. Plus que 125 mobs. Let's go, je pense que je vais arriver, je peux le faire. Voilà. On va spammer comme ça, on spamme et on respamme et on respamme. Ça prend quand même assez trop de temps, ça. Franchement, faire 500 mobs. Oh là là, la pire chose qu'on peut faire. Voilà. Si tous ces mobs-là, ils me frappent tous d'un coup, je suis mort. C'est incroyable! Ça fait trop de dégâts! Wow! Vie fort! Wake up to reality. Ouf, enfin. Let's go. Wesh! Je me suis fait aise par des mobs! Non, je suis mort deux fois par des mobs! Oh là 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 là! Comment on peut mourir deux fois par des mobs? Wesh, c'est la pire chose! C'est la pire honte qui peut exister! Ah, mais c'est une honte mémorable! Attends, si je meurs contre des mobs, le boss, je vais mourir, hein! Avec le boss, c'est sûr à 100% que je vais mourir. Et tout ça, c'est la faute de ces mobs-là, là. Avec le feu de flamme qui casse les... Oh! Bon, je vais quand même continuer de faire les mobs jusqu'à ce que je vois que j'arrive vers les 5 dernières. Oh, il y a un fruit qui a spawn. Avant d'aller le récupérer, je finis d'abord mon dernier mob, là. Voilà, let's go. Je vais regarder juste, il me reste combien de mobs à tuer. Voilà. Alors là, il me reste 20 mobs à tuer. Voilà. Du coup, je vais d'abord aller rechercher ce fameux fruit. Il est où? Il est où? Attends, s'il y a un fruit qui a spawn, ça veut dire que ça fait une heure que je suis là. Wesh! 12 seconds later. Du coup, je vais me téléporter à Castel. Comme ça, je vais voir s'il est là-bas ou pas.
Ah bah non, il n'est pas à Castel. Pas ici. Ah, il est vers Indra Castel. C'était vraiment très intéressant. Alors, et j'ai dit Indra Castel. C'est Indra Estland. Bon, on va profiter d'aller voler avec ce fameux fruit de Love pour aller chercher ce fruit. Bon, on est quand même passé de trois fruits différentes. Dans 90, 80, enfin 60. Ah ben, il est pas très loin en fait. Il est vers ici. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ouh! Pas mal du tout, pas mal du tout! Le fruit de Gravity! C'est extraordinaire! Oh là 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 là! Mais c'est extraordinaire! Ah, j'ai mis deux V dans Gravity, ça devient Gravity! Bon, on va cacher notre fameux fruit de Gravity dans notre store, voilà. Après, maintenant, on a combien de Gravity? Quand j'y pense, on en a 16. Ah ben, bientôt, on en aura... Enfin, ça nous fait déjà la moitié des fruits que je peux avoir, en fait. Bon, maintenant qu'on est retourné ici, on va prendre notre fruit de Bouddha pour pouvoir finir les 20 dernières mobs qui nous restent. Let's go, on va spam vite fait tout ça. Voilà. One eternity later. Bon, on va réserver quand même ma V4. Je vais la réserver pour le boss. Voilà. Je vais pas l'activer tout de suite. Je vais la laisser pour l'instant de côté pour le boss. Bon, je vais regarder. Il me reste combien de mobs maintenant à tuer? Alors là, il nous reste environ deux mobs. Plus que deux misérables mobs. Allez, vas-y, vous deux là. Vas-y, on va vous faire tous les deux. Ah, j'ai tué les deux derniers mobs. Maintenant, je vais me tailler. Alors, ah, let's go. On va enfin pouvoir spawn le boss qui se nomme Katakuri. Bon, avant de le spawn, il faut d'abord que je fasse une dernière truc. Il faut savoir que j'ai gagné quand même 2 millions de... Enfin, 2 millions d'argent. Voilà. Non! Day two. Oh là 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 là, j'ai crash, oh non, j'ai crash. J'ai tellement la haine. J'ai trop la haine d'avoir crash. Par contre, si je vais là-bas et que je regarde les mobs, il en reste combien déjà à tuer? 500! Ça veut dire que je dois recommencer à zéro? Non, non, non. C'est bon, je refuse de recommencer à zéro. Je pense que je vais aller directement sur Discord pour demander de l'aide, juste pour qu'il m'aide à faire les mobs, parce que là, franchement, après les avoir fait une première fois, et ça m'a pris quand même 1 heure, c'était très long. En plus de ça, j'ai perdu des bounties quand j'y pense. Je vais aller sur Discord, je trouve de l'aide, et je reviens. Bon, à tout de suite. Oui, j'aimerais le faire dans mon serveur privé, en effet. Parce que là, j'ai vraiment la haine. Franchement, après avoir tué quand même les 500 mobs, oh, ça me fout la haine de recommencer. Mais on va t'aider, genre on va faire Ah, Valkyrie. Valkyrie pour une fois. Ah. Attends, je vais faire ceux qui sont ici, pendant que vous cherchez de celles qui sont de l'autre côté. Je vais aussi faire avec, en même temps avec les quêtes parce que j'ai envie d'augmenter mon argent, voilà. J'ai Tu veux pas faire encore ma... lesquels? Ben, je vais faire les premiers mobs. Par contre, il me faut mon Bouddha, moi. Oh, Ah, prends tiens, Haché. Juste super. prends Haché. Prenez Haché, vous allez voir, c'est 100 fois mieux. C'est le Bouddha, c'est d'abord juste pour se transformer. Une fois que t'es transformé, là, tu changes pour prendre le fruit de Haché. Une fois que j'ai pris le fruit de Haché, là, ils peuvent plus me toucher. Le système, il est Ouais, incroyable. je sais. A few minutes later. Il en reste combien maintenant? Moins de 100. J'ai vu, il y a 5 minutes, j'étais à... Ok, 86. Moi, j'étais allé quand ils étaient, quand il y avait 116. Je vais regarder Bonjour, combien de pilote. mobs il en reste. Oh, mais c'est qui lui avec sa V4? Il se balade partout à prendre tous les gens. Ah, on dirait un hacker. Il est trop rapide, le mec. La Il en ligne. reste il en reste 33. Il en reste 33. 32. 31, on dirait des secondes, wesh. 12 seconds later. Attends, il reste combien de mobs? Attends, je regarde. Il en reste deux, il en reste deux. Il en reste une! Ne tiens pas de mob! Pourquoi tu l'as kill le mob? Oh non, ne dis pas qu'il a tué le mob. Mais Même non! il l'a tué.
Il l'a tué, wesh. Bon, c'est le moment de vous remercier. Lui là qui veut flex alors que moi je peux flex. Comment t'as fait? Commande personnalisée, c'est une commande personnalisée pour voler comme ça. Bon, en tout cas, j'ai rien à vous offrir malheureusement, mais tout ce que j'ai à vous dire, j'ai envie de vous dire quand même merci de m'avoir aidé à faire. C'est quand même 500 mobs. Par contre, il va falloir que je spawn le boss. J'ai pas envie qu'elle se spawn automatiquement. Voilà, voilà. Il va falloir que j'aille faire un 1v1 avec ces fameuses catégories. Mais avant ça, je vais d'abord mettre un petit étoile sur ma sword parce que j'ai remarqué qu'il n'a pas d'étoile. Je vais juste aller le mettre un petit étoile, vite fait. Voilà. Je vais juste aller au port. Hop là. Imagine, il y a un mec, il est là, il rejoint et il tue un mob, il savait pas. Personne ne peut rejoindre le serveur vu que c'est un serveur privé. Voilà, ce fameux NPC là qui va me permettre de pouvoir améliorer mon épée. Bon, grâce à ces deux trucs bizarres, on va le craft. On va faire 30% de plus de dégâts. Voilà, on va se ramener comme ça, avec une grosse sourde comme ça là. Si le boss nous voit, c'est sûr qu'il va vouloir s'échapper. Normalement, avec une sorte qui est normalement Mastery 600, je suis censé pouvoir le buter. Voilà, on vient de le spawn. Avec le petit message. Hop là, il est où le boss? Il est là? Cake Prince, 2300. J'ai beaucoup de level que lui. Je pense que normalement, je suis censé pouvoir arriver à le buter. Je croise le doigt pour pouvoir le tuer. Vas-y, c'est parti, let's go. Allez, hop. Wesh! Attends, est-ce que je me transforme? Je me transforme. Non, j'avais oublié de me mettre d'abord en V4 parce que là, sinon, autrement dit, je vais me faire buter facilement. On va se poser comme ça, en train de frapper pendant qu'il frappe là-bas. Ok, let's go. Hop. Toujours esquiver et frapper. Wesh, mais sa vie, elle diminue pas du tout, hein. Non, je ne pense même pas que... Non, il m'a chopé. Oh là 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 là. En plus, cette attaque-là, il spam. Bon, c'est bon. Oh là là. C'est du spam. Vas-y, on lui fait le maximum de dégâts qu'on peut. Wake up to reality. Allez, vas-y, il est dans le rouge. Vas-y, c'est l'occasion. Badass moment. Comme le dirait Prince. Non, il a des snoops. Non. Aïe, il était dans le rouge. J'ai la haine. Il était dans le rouge. En soi, en fait. Il aurait juste resté 2 minutes de plus, je l'aurais tué. En fait, je peux le F1, mais le problème, c'est la sword, elle ne fait pas de dégâts. En fait, une attaque, elle fait 2000 dégâts. Ou genre 1500 dégâts. 1500 dégâts, c'est pas énorme. Alors que les autres swords, admettons si je prends... Attends. Admettons si je prends une Darkblade, je fais une attaque à quelqu'un. Ça fait beaucoup trop de dégâts que cette sword. Là, si je prends la Darkblade... Ah oui, la Darkblade, je fais presque 3000, genre le double. Avec la Darkblade, je l'aurais tué vite fait. Bon, en tout cas, franchement, déjà, je vous remercie de m'avoir aidé quand même déjà à respawn. Non, t'inquiète, le boss. T'inquiète, c'est normal, et... normal. Et voilà. Si j'avais fait avec la Darkblade, je pense que j'aurais réussi. Mais avec celle-là, le problème, c'est que je ne fais pas beaucoup de dégâts. Et du coup, j'ai pas eu le temps. Mais c'était possible de le tuer, mais j'ai pas eu le temps. En tout cas, je suis quand même content d'avoir testé. Au moins, maintenant, je sais que c'est possible de le tuer. Je crois qu'avec cette sword, je vais essayer les autres boss si je peux arriver à les tuer ou pas. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit like, voilà. Et aussi à remercier l'équipe quand même qui m'a aidé à faire le boss parce que c'était quand même super chiant et j'étais dégoûté, voilà, tout ça. Et moi, je vous dis, ciao.